Cette tradition, qui date des années 1400, a été transmise de génération en génération. La tradition des teintures reflète la diversité des cultures au Nigeria qui se démarquaient par leur tissu. Il y a des centaines d'années, les teintures pouvaient prendre des mois, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Cette méthode est la plus simple et la meilleure. La couleur est bonne. Autrefois, nous ne pouvions faire qu'environ 3 couleurs en même temps. Maintenant, nous pouvons en faire des centaines. Une fois que la teinture a été appliquée sur le tissu, celui-ci est étendu afin qu'il puisse sécher. Le tissu est frappé à maintes reprises, une manière de presser à froid le tissu et de le faire briller. Nuhu Adams fait de la teinture à Zaria depuis 16 ans. Selon lui, ses revenus seraient bien plus importants si les usines textiles du pays fonctionnaient encore. L'industrie textile a progressivement coulé. Si nous pouvions la faire revivre, nos affaires seraient florissantes à nouveau. En attendant, Adam satisfait ses clients avec des teintures brillantes faites selon les techniques traditionnelles, faisant ainsi vivre une tradition centenaire.